Oh là là, heureusement qu'on n'est pas parti à la campagne, hein. Il pleut toute la semaine. Ah ouais? Ouais. Tu vas me chercher mon petit verre d'eau tiède, s'il te plaît. Ok. Merci. FFP2. Mais non, mais des cagoules. Putain, c'est des cambrioleurs. Oh bah oui, il y a des chances, oui. J'appelle les flics. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez attends, pas. Attends, attends, attends. Raccroche, 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 raccroche. Vous avez demandé la police, raccroche. Imagine, c'est des mineurs migrants isolés. En situation de précarité. Mais si jamais on apprend au boulot que j'ai dénoncé des mineurs migrants isolés en situation de précarité, je vais me faire virer, tu comprends? Oh putain. Mais qui te dit que ce sont des mineurs migrants isolés en situation de précarité? Bah, ils sont tout petits. Il y en a qui est basané. Basané, ce mot! Oui, bon. Bah, il y a la putain olivâtre. Mais je sais pas, il y a une cagoule. Et si c'était des Roms? Bonjour le cliché. Cool, le cliché, tu me dis olivâtre. Bah oui, mais bon, quoi? Est-ce que ça passe avec des Roms pour ton boulot ou pas? Si je dénonce des Roms, migrants, mineurs isolés, en situation de précarité, faut voir, ouais, c'est... C'est possible, c'est bon. Ils ont enlevé leur cagoule. Ils sont blonds! Oui, j'appelle. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Raccroche, raccroche, raccroche. Vous avez demandé la police. Imagine, c'est des Kabyles. Les Kabyles, ils sont blonds parfois. Si je dénonce des Kabyles, blonds, mineurs, isolés, migrants, en situation de précarité. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on va se coucher?